Les travailleurs sont confrontés à des aux bas salaires, y compris ceux d'ailleurs qui ont été applaudis, hein, que tout le monde a reconnu comme indispensables. Aujourd'hui, les aides à domicile, le personnel hospitalier, il faut qu'ils se battent pour avoir des meilleures conditions de travail, pour avoir des salaires. C'est normal tout ça? C'est pas normal. Alors il faut effectivement que les travailleurs s'emparent de ce vote, disent leur colère et disent on se laissera pas faire. On est obligé de se défendre tous les jours pour défendre son salaire, pour demander et obtenir la moindre revalorisation salariale, pour défendre son boulot aujourd'hui. On est obligé de se défendre. Et ben moi, je trouve ça positif que pendant cette élection, les travailleurs qui ont ces idées-là en tête et les moyens de l'exprimer avec leur bulletin de vote, moi, je pense que c'est, y compris pour nous, une manière de les conforter. Et je pense que c'est la seule politique qui est utile pour nous, les nôtres, pour la classe ouvrière, pour le monde du travail, pour les salariés.